fameuse à m'avoir demandé de faire le tag pile ou face. Le ridicule ne tue pas. Bonne fête de mère. Oui. Bonne fête de mère. Aujourd'hui, c'est la fête de mère. Bonne fête de mère. Ne paniquez pas, les Françaises. Vous avez encore une semaine, je crois, ou deux semaines. Donc ne paniquez pas, vous n'avez pas loupé la fête de vos mamans. C'est juste en Belgique. Bonne fête à toutes les mamans belges. Voilà. Bon. On y va, on va quand même y aller. Je vous réexplique pas le principe du tag. Je suppose que vous l'avez vu sur plein de chaînes. Parce qu'il est passé beaucoup de fois. Donc on y va. J'ai une pièce. J'ai mon appareil à faire tourner les pièces. Il s'appelle Riri. Et c'est lui qui va faire tourner la pièce. Vas-y, mon chéri. Je sens que je vais plus avoir d'œil. C'est quoi ça? Pile. Je ne sais pas, moi. Pile, première question. Challenge make-up. Applique un rouge à lèvres en guise de blush. Rouge, bien sûr. J'ai choisi le bourgeois, qui est un beau rouge. C'est la référence Sweet Kiss. C'est un très beau rouge. Alors, on y va. Je prends pas de miroir, hein. Je vais m'amuser avec le retour de la caméra. On va essayer de faire ça bien quand même. Hein. Voilà. On va étaler un peu, c'est un petit peu pour Pérusse, là. C'est pas bien. Mon Dieu. Voilà. J'ai le beau teint. J'ai bonne mine. On dirait Marie qui a été chercher les bœufs. Oh mon Dieu, il fait froid dehors. Allez, machine. Machine à pile. À face. Machine à pièces. Pile. Pile. Challenge coiffure. Oh putain. C'est parti pour le palmier à l'ancienne sur la tête. Merci. J'ai pris un très gros élastique parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et pour me faire un palmier avec le peu de longueur que j'ai, ça va pas être évident. Mais je vais y arriver. Allez, je vous reviens tout de suite. Profiter de magnifique palmier. Oh, mon Dieu. Attends, vas-y, le faire retomber un peu, sinon je suis même pas dans le cadre, tellement c'est haut. Voilà. Allez, machine à pièce, s'il te plaît. J'en peux plus. Face. Ah. Face. Ah, j'en peux plus. Face, montre-nous et parle-nous de ton indispensable rouge à lèvres. Alors, comme je n'ai pas vraiment d'indispensable rouge à lèvres, que je mets un peu ce que je veux au jour le jour, je peux choisir pile. On va dire que c'était pile. On va dire que c'était pile. Et il faut que je mette un correcteur en guise de rouge à lèvres. Oh, tu vois, ça va être trop beau. Alors, le correcteur, c'est mon équipe, ça me fait pas mal de foutre rouge à lèvres. C'est le but, hein. Alors, pour la couvrance, on est là. Pour la couvrance. Ah ouais? Il dirait une vieille mémé, toute cabossée. Mais mon Dieu! On y va! On va se réveiller les bœufs! Ok, c'est bon. Ah, c'est sec. Pile! Catherine, tu as l'opportunité d'être bronzée aujourd'hui. Applique ta terre de soleil à la place de ta poudre. J'ai pas vraiment de terre de soleil, mais j'ai ce bronzer là, qui est super foncé. Donc on va le mettre à la place de ma poudre habituelle, qui normalement est la poudre HD, hein, qui est hyper claire, donc qui n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, on va se bronzer un peu. Parce que, à la ferme, on n'a pas le temps de se protéger là-bas. Hein? On est bronzé, bien sûr. Et on a les joues bien rouges, parce qu'on est tout le temps dehors, au grand air. Bah oui! Regarde! Regarde Joseph, comme je suis belle! C'est pas beau ça? Oh là là! Magnifique!
C'est pas beau ça? Je suis bronzée. Une grosse pu. Une grosse pu. Une grosse pu. On dirait une grosse pu de la campagne. Viens mon chéri. Viens, on va dans l'écurie. Sac. Oh, pile. Allez. Challenge make-up. Remplis tes sourcils avec le crayon à lèvres de ton choix. Le crayon à lèvres, en général, c'est rouge. Enfin, chez moi, ils sont rouges. J'ai pris celui de chez Emma, le numéro 18, qui est un beau rouge. Je vais m'approcher, sinon je ne verrai rien. Je vais donc remplir mes sourcils avec. Mes sourcils qui ne sont pas du tout faits, mais c'est pas grave. Justement, on les fait. Hein. Waouh. Quel gaspillage de produits. C'est magnifique. Il y a une chanteuse qui se fait les sourcils en rouge, comme ça. Oui. Laquelle? Je sais plus. Dites-moi un peu en commentaire, je sais plus laquelle que c'est. Waouh! Mais ça change tout. Pile. Challenge make-up. Utilise l'eyeliner de ton choix en guise de lèvres, en guise de contour des lèvres. Alors mon eyeliner de mon choix. C'est un crayon. C'est un crayon parce que je ne sais pas mettre l'eyeliner, mon chéri. Moi je sais le mettre. Je peux mais le mettre. Mais non, je vais pas le mettre en eyeliner, je vais le mettre en contour des lèvres. Ah bah je vais le mettre en contour des lèvres. Non, je le mets. Ah oui, parce que t'as du crayon. Ça, c'est un... Mais c'est très bien, c'est ce que j'ai d'habitude. C'est un canon. Mais c'est pas un canon. C'est un micro-indiqué. Oh super, c'est pas toi je fais. Eh, tu fais bien mon crayon. Ouais, c'est du crayon, regarde. Ouais, il bouge pas des lèvres. C'est de toute beauté. Regardez la démarcation de l'oreille qui est toute blanche et ma peau qui est bronzée. C'est beau, non? Oh, la main. Et alors la septième, dernier challenge, prends-toi en photo et mets-la en miniature vidéo. Bien sûr qu'elle sera en miniature vidéo. Je fais ça tout de suite. Oh, t'es mignon, la trace bleue. On va pas? Oh, c'est tout léger. Je remercie donc Marion et Marion d'avoir créé ce tag qui est magnifique. Bien sûr, je pouvais pas passer à côté. Crémin Dieu. J'adore. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je sais que vous êtes déjà nombreuses à l'avoir fait. Je mets au défi... Qui je vais mettre au défi de le faire? Oh, Vali, tu as recommencé ta chaîne, Miss Sweet Shibat. S'il te plaît, fais-le. Ça me ferait trop plaisir que tu le fasses. Moi, plus de Vali. Voilà. Je sais que je te tague souvent quand je tague quelqu'un, mais voilà. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup que j'aurais voulu taguer, mais elles l'ont déjà fait. Mais c'est pas grave. Allez-y. Dès que vous voyez ce message, faites-le. Amusez-vous. Soyez la plus belle. Ciao. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Mon Dieu. Moi, je suis trop belle. Non, c'est un nouveau style de maquillage. Regardez, t'es trop beau. Eh ben, n'empêche, je suis sûre que depuis qu'on a vu des tonnes de vidéos avec ce genre de maquillage, je suis sûre, Marion et Marion, que vous lancez une nouvelle mode. Vous allez voir. Bientôt, dans les défilés 2015 ou 2016, automne-hiver ou printemps-été, on va voir des mannequins inconnus maquillés comme ça. Et à ce moment, vous serez célèbre. Moi, je vous dis. Parole de défi.